Salut mademoiselle Ninon. Ça va le son? Juste pour recheck un peu les trucs. J'ai l'impression qu'en fait le micro est très très fort. Après je sais pas, c'est peut-être mon retour ou j'en sais rien. Tout me paraît fort en fait, donc. Qu'est-ce qui bug? Le stream? Je m'entends pas. Le son par rapport à la musique, enfin mon truc, ma voix par rapport à la musique, c'est bon. Ok. Ok, tant mieux. Juste c'est chiant parce qu'il faut que je revienne de d'un PC à l'autre, enfin du Shadow à l'autre et tout. Connexion bug, bah essaye de redémarrer la box ou un truc comme ça, hein. Ça se trouve à force, t'as peut-être des mises à jour, des conneries qui n'ont pas été faites. Ah, là c'est ma truc qui bug. Pourquoi ma scène ne veut pas être prise? T'as baissé ta voix là, non j'ai rien fait. J'ai l'impression que ma voix elle est faible. Tu m'entends moins là? Tu m'entends moins. C'est tout pareil. Hein. Normalement c'est tout pareil. Le zoo veut pas être pris là donc hop. On refait ça. Poète. N'oublie pas qu'on a bien 10 secondes de décalage. Hein. Bah ouais je sais mais c'est comme ça. Ah par contre ça va être hyper chiant à chaque fois de revenir au truc là. Bon, je comprends pas pourquoi il veut pas. Hier on était bien là-dessus. Ah non, on avait fait ça. J'ai jamais compris pourquoi ça change. Enfin bref. Je sais pas trop. Après si ça fait ramener du monde le fait que tu sois là et tout, pourquoi pas, peut-être que je vais rester hein. Le son de mon micro, il est vraiment bien ou pas là? Je m'en rends pas compte. Je re-regarderai le live, mais on verra. Ah, petit combat dangereux. Des problèmes. Bon, on va peut-être garder. Pas le choix, en fait. Il y en a un qui est malade, on est obligé de le garder. Hop! Ouais, mais en fait, ça se trouve, le son, c'est juste que quand. Par exemple, je regarde l'écran, j'ai pas la bouche directe sur le micro, peut-être que ça change quelque chose. Je sais pas.
Par exemple, là, je regarde l'écran. Et là, je regarde le micro. Ça change un peu tout. Quoi. Enfin, ça change pas mal. Donc, Allez, des problèmes encore. Je crois qu'il a un petit souci. Là. Il est un petit peu bugué. Lui. Ok. Bon. Il y avait plein de trucs à finaliser. La musique qui s'emporte. Tout ça pour une barrière. Ça c'est la mascotte du zoo. C'est le petit canard en plastique. T'as des messages de... Mais de qui? D'ici? Ça c'est pareil, il faudrait que je change quelque chose. J'ai pas d'idée en fait, le fond ça me va pas. Je trouve ça très terne en fait, je trouve ça très vide par rapport aux autres trucs. Et il y a ça qui va falloir s'occuper aussi. Aïe aïe aïe. Il y a trop de trucs en même temps. Alors. Petite récompense. Bim. Il y a quoi en ce moment? Des oiseaux 3 étoiles. Ah mais il y a des... Les manchots. On peut peut-être relâcher quelques manchots. C'était quoi? Ah oui, 3 étoiles. Non, c'était quoi? 3 étoiles? Ah, c'était où? Et puis, il faut voir. C'était ça. Après, tu peux faire des petits allers-retours vite fait entre Insta et Twitch. C'est pas très grave. Mais j'aurais dû te passer mon PC, sinon... Alors, qu'il soit rare de nuit de mauvais augure, attention avec eux à ne pas y laisser des plumes. Le défi de la semaine consiste à relâcher dans la nature des oiseaux 3 étoiles. Il reste 4 jours. Et j'ai l'impression que la communauté s'en bat un peu les couilles. Parce que 5%, ça va pas aller très loin. Hein. Oui, c'est normal que ça bug quand tu fais des allers-retours puisque ça recharge le stream. Dès que tu quittes, en fait, le stream se coupe et dès que tu reviens, ça va... Dès que tu reviens, ça recharge le stream, en fait. Donc ouais, c'est un peu chiant. Donc, des petits manchots 3 étoiles, bah pas à lui. Ah... Mademoiselle Eva. On va la relâcher dans la nature. Monsieur Benjamin. Hop. Bon, j'ai pas envie d'en relâcher trop parce que le but c'était quand même d'avoir une grosse colonie. Je crois que c'est les animaux qui peuvent avoir le plus de...
qui peuvent être le plus nombreux sur Planet Zoo. Petite Lily. Est-ce que je peux voir l'avancée? Ah, j'ai déjà gagné. Ouais. Jusqu'à 8, c'est ça, hein. Alors, attends, animaux relâchés, schlack, donc 5. 3, c'est quoi? C'est... Ah, c'est la moyenne des gens. C'est ce que les gens ont fait en moyenne. Ou c'est à moi? Non, c'est moi ce que j'ai fait. Non, 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 non. Oups. Petit Xavier. Hop là. On fait du ménage, mais c'est pour le bien de la communauté. Et en fait, je crois que j'en ai plus. Je sais pas si les petits... J'ai pas envie de jeter les... Enfin, de jeter. C'est horrible. Allez hop, transformer en nuggets. Des petits nuggets de manchot. Ouais, de toute façon, les petits, je peux pas les... Je peux pas les relâcher. Voilà, probablement le dernier. Ça va être compliqué celui-là, par contre. Ça risque d'être compliqué. Bon, on verra. Et de toute façon, je crois que j'ai pas d'autres oiseaux. Non, 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 non. Bon, au boulot. J'ai bien envie de finir ça aussi. Ce coin-là, à l'entrée. Faut que je trouve une solution pour le Green Park aussi. Que ça puisse se voir dans la neige. S'il y a des idées dans le chat. Parce que une écriture blanche, dès qu'il y a de la neige, c'est illisible en fait. Hein. Ce qui paraît logique. Mais quand je l'ai fait, j'ai pas eu la logique. Bon. C'est parti. Une vision sous-marine des manchots en mode sous-sol. Bah... Genre ça quoi. Genre ça, et en plus il y a de la bouffe, en plus il y a tout ce qu'il faut quoi. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, non mais voilà, l'idée elle est là quoi. Le problème à chaque fois c'est le soleil. Alors j'arrive pas, j'ai pourtant mis un truc et tout, mais j'ai l'impression que le soleil, il se reflète tout le temps. Ou alors faut que je change de vitre. Oui mais en bâtiment. Comment ça? À l'intérieur du bâtiment? En fait une fois que j'ai mis l'eau, je peux plus l'enlever. Enfin, c'est chiant quoi. Attends, en bâtiment... Bah tu vois, maintenant tu sais. Ha ha ha. C'est pareil, j'aime bien ce coin là, mais les gens restent coincés là-bas. Et ça me saoule un peu. Et j'ai tellement blindé ici de bâtiments. Mais pourquoi ça... On va falloir s'occuper de ça messieurs là. Il y a du relâchement hein, en termes de... Je crois que c'était un vert, ça. Bon. Ouh là là, il manque de personnel, je crois. Il y a un petit manque de personnel.
Ouais, j'aime bien faire le petit tour quand même de tous les trucs. Ici c'est pareil, en fait il y a le soleil qui tape sur la vitre et on voit trop mal. Limite on voit, enfin c'est dommage de mieux voir sous l'eau que à travers une vitre en fait. Des combats de femelles. Laquelle va-t-on garder? Pas celle-là. Et hop là. Disparu. Alors. Bon allez. Hop. Fais chauffer la pizza, fais chauffer. Je pense que... Ah, ou alors je... Ah... Sinon je laisse tout en pierre. Vu que c'est bas. Ou alors je fais vraiment tout en rondin. Je pourrais, je pense, faire tout en rondin. Vraiment comme si c'était un petit truc en plus caché. Petite dépendance à l'arrache à côté quoi. Oula. Petit coup de lame. Ah oui, il y avait une fenêtre derrière. C'est pratique. Bah tant pis. Ah oui non mais. Bon. Soyons gentils avec le personnel. Oh, et puis je vais garder le système des trucs Far West. C'est peut-être un peu haut ça. On va essayer de changer. Bon, déjà, en toi. En métal. Ouais. Pourquoi pas. Ça fait spécial quand même. Ouais, pourquoi pas comme ça. Ouais, allez. Petite poutre. Ah, ça me laisse. Voilà. Ah oui, celles-là, elles sont pas droites, je crois.
Allez hop, un peu de lumière. Caro, pourquoi? C'est pas grave, on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé de toujours tout dire. Hop. Le détail. En fait, il y a plein de problèmes d'animaux. L'animal est stressé. Mais pourquoi ? Ah, il est plus stressé. Maladie. Oui, mais je sais pas. Au pire, elle est abonnée, hein. Elle a un... Elle reçoit un truc ou je sais pas, quand je fais un live. Hein. Ah oui, il y a plein de mal en fait. Il y a plein de mal et en plus nul. Super. Bagarre de virilité, ouais, bagarre de... Il y a trop de mal surtout. Ah c'est lui l'alpha. Et tant pis, au revoir à l'alpha. Ça devrait aller mieux déjà. Après le problème c'est les... C'est les maladies là. Tout à l'heure on était 5, je sais pas pourquoi. Et on n'est plus que tous les deux. Alors. Mais non. Hop. Je voulais pas plus ça. Bim. Alors, un petit logo vite fait. En fait, j'aime pas du tout cette façon de que j'ai fait de... C'est pas ouf le chemin là. Je sais pas. Ah, en même temps, les gens ne peuvent. Si je cache. De toute façon, tout ici, il y aura du décor, donc ils verront rien. Mais. Ouais, je sais pas trop. Ah, bah, il y a Caroline.
C'est une petite souris qui t'a dit que... qu'il y avait du nouveau par ici. Alors Crawlin, je te présente mon zoo. Je suppose que tu connais pas. Ouais, une petite souris. Une petite souris rouquine. Donc en fait, c'est un... Donc tu dois pas connaître Planet Zoo. C'est un jeu où on fait un zoo, mais vraiment... planche par planche, quoi. Donc on fait des enclos, il y en a tout un truc, il y a plein d'animaux possibles. Il y a des dérives génétiques, c'est pour ça que j'ai des bisons blancs. Bah des animaux rigolos, pour l'instant dans le jeu il y a que des vrais animaux. Alors après, on n'a pas de licorne ou de je ne sais quoi. Mais ouais, par exemple les phoques c'est rigolo par exemple. Surtout quand il marche par terre. Plop, 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 plop. Aïe, plop. Il y a un petit bébé là. Donc ouais, il y a tout ce qui est reproduction. Faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de mâles. Puisque les mâles alpha veulent être tout seuls. Enfin, il y a plein... Tout est géré par animaux. Les températures aussi, s'ils veulent un abri ou pas. Donc là j'ai mes bisons. Là c'est les antilopes d'Amérique. Donc pareil j'en ai des... Ça c'est la couleur normale. Et les blancs c'est... ils sont... des petites dérives génétiques. Donc là c'est les tortues. Tortues des Seychelles et tortues des Galapagos. Ouais, c'est pareil, les gens, c'est en fonction de la qualité du zoo et tout, les gens viennent plus ou moins. On peut aussi faire de la pub pour qu'il y ait plus ou moins, de monde qui vienne. Et sinon, t'as tout un aspect économique, puisqu'évidemment, il faut... Faut pas trop s'endetter quoi. Et là il y a les manchots royaux. Et pas des manchots empereurs. Ils sont plus petits, mais ils sont mignons. À la base j'en avais 3. Mais j'avais jamais remarqué que les petits restaient. C'est vraiment leurs parents. Donc ouais, on peut même retrouver la généalogie et tout. George Harper. Et ça c'est... pas du tout son parent. Donc je sais pas pourquoi il était avec. Bon. Et ça c'est la mascotte du zoo, c'est le petit canard en plastique. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Voilà, donc je m'amuse à faire aussi des bâtiments. Faut tout faire quoi, il y a rien de... On peut prendre des trucs préfaits mais c'est pas drôle. Alors. Donc ouais, en fait, tu vois par exemple pour la construction, t'as tout plein de poutres de rochers,
Là c'est que poudre. Alors, il y a beaucoup 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 de choses. Des tas et des tas, des tas et des tas. Une future mascotte. Bah... Oui, ça rigolo le côté... Là après, attends, j'ai une petite idée. On peut faire un petit canard tout rose aussi, pour lui faire un petit copain. Hop là. Oh là, il est pas droit, mais l'idée est là quoi. Une petite copine. Donc j'en étais à essayer de rénover l'entrée pour que ce soit un peu plus beau. Non mais toi t'as les idées mal placées aussi. C'est pas chelou du tout, c'est mignon. Et puis c'est pas moi qui lui lève les fesses. Non mais je crois que c'est Bah non, pourtant il est droit là. Je sais pas. Le socle il est droit. Ils sont trop mignons. C'est vrai qu'il y a un peu trop de monde, j'aime pas trop. Donc ouais, pour s'il y a trop de monde, on augmente les prix. C'est aussi simple que ça. Bon, ça va commencer à devenir très cher l'entrée, mais bon. Il faut bien ça, hein. En fait, plus il y a de monde et il y a certains animaux qui stressent s'il y a trop de monde devant leur enclos. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 2000, c'est pas un peu dommage. Surtout pour un petit zoo, là, c'est y a pas. Alors, je sais pas trop quoi faire à l'entrée en fait. Je sais pas trop quoi faire sur les côtés. Soit complètement végétalisé, très naturel ou. Ouais, mais même un grand zoo à 2000 personnes, ça passe. Hein. Quand il y a quelques personnes un peu partout, c'est bien aussi. C'est pas. En fait, après, les gens se gênent. Après, ça fait des queues sur tous les magasins, les points de vente et tout. Ça sert à rien. J'arrive pas, je sais pas. Ou alors je fais deux murs en...
un peu dommage, du coup on va perdre... Ça faut vraiment cacher par contre, toute l'allée là, donc je sais. Ça c'est trop petit. Ça aussi c'est trop petit. Bah ce soir j'aurais bien refait l'entrée et il y a ça aussi. En fait je voulais faire un truc pour les petits pangolins parce que je les ai toujours en stock. Et pourquoi pas relier en fait les deux grosses allées en fait. Donc mettre les pangolins ici parce que c'est tout petit en fait et je pense qu'il y a la place. Donc il faudrait un bâtiment. Donc un petit bâtiment un peu comme j'avais fait ou juste avec des vitres. En fait les gens verraient, ils rentrent pas dans le bâtiment, les gens... Ah ou alors la grosse allée passerait genre sur un espèce de... sous un espèce de préau qui serait rattaché direct au bâtiment avec les vitres. Et il y aurait pas de dehors du tout pour les pangolins je pense. Putain c'est dégueulasse là par contre. Ouais les gens sont crado, mais autant que dans la réalité dans ce jeu en fait. C'est poubelle simulateur. Si tu mets pas de poubelle à moins de 10 mètres, les gens jettent par terre et c'est pas beau. Et après ils se plaignent qu'il y a des déchets par terre. En fait comme dans la vraie vie, hein. C'est rigolo. Bon. Allez. Mais je pense que j'aurais dû faire une allée un peu plus nickel. Ou alors je laisse les barrières ici. Je pense que je vais reprendre ces trucs là. Je pourrais faire l'entrée de ce côté là pour les soigneurs. Ah ou alors je vais prendre les grandes. Ouais non j'ai... Ce truc là il descend peut-être trop bas. Je sais pas s'ils ont stressé vite les... Tu as pas mis de poubelle. Les poubelles elles sont mises là où les gens mangent et où les gens achètent aussi des machins. Hein. Après les gens ils sont même pas censés aller là, l'allée ne mène nulle part, donc je sais pas où ils vont mais... Je sais pas si je mets des petites fenêtres comme ça ou... carrément des grandes. Ou les deux en fait. Je peux commencer avec ça. D'ailleurs je vais pas les rattacher. Je vais continuer avec ça. Hop là. C'est un petit peu décalé quand même. Et...
La Covid Alley. Non, il n'y a pas de Covid. Il y a plein de maladies d'ailleurs, mais il n'y a pas de Covid. Les pangolins stressent pas mal. Mais je mets. Ah, mais non, du coup. Ah, mais si, 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 si. Je peux mettre les vitres sans teint. Là. Comme ça, ils sont tranquilles. Ouais, du coup, je voulais. Donc, ici, une petite. Une. Un mur. Et je vais mettre une grande vitre. Faudrait un. Ouais, genre ici, c'est bien. Mais ils vont se perdre un peu. Les pangolins, c'est vraiment tout petit en plus. Ça commence déjà à être grand en fait. Ah, ou alors juste ça. Non, c'est moche. Hop. Un petit truc comme ça. Ah, c'est rigolo, ils ont les mêmes pierres en fait. Ça se verra pas trop. Et puis. J'aurais peut-être dû délimiter avant les trucs. Alors les animaux blessés, c'est juste que des fois ils se battent entre eux à cause notamment des mâles ou des femelles, parce que certaines espèces où c'est des femelles qui se battent entre eux en fait pour la dominance. Mort de vieillesse, ça va. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est trop cher. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oula, là. Il y a une flopée de petits là. Là aussi, il doit y avoir des problèmes de. Il y a beaucoup de phoques en fait. Donc on les relâche dans la nature quand il y a. Ou on les vend d'ailleurs, mais. On les relâche dans la nature, comme ça on a une sorte de monnaie secondaire, des crédits de préservation. Ce qui nous permet d'acheter des animaux souvent mieux. Et puis voilà. Bisous Caroline. Bon appétit. Et oui, toi t'es obligée de regarder. Mais en même temps t'es modératrice. Donc toi t'es obligée de regarder. C'est comme ça. C'est... Mon micro se coupe trop. Ou alors... Faudrait que je baisse le truc là, mais... Dans juste 2 secondes et demie. Bim.
Il va moins se baisser là. Il va moins se couper. Alors. Hop. Ah oui, il était là. Boum. De toute façon, ces petites bêtes là, ça veut que de la terre. Hop. Avec. De toute façon, on va s'arrêter par là. Bah non, parce que tu m'as fait commencer à cette heure-là. Ça fait même pas une heure, je vais pas arrêter là. Hein, mon méo. Eh mais par contre, je suis en train de me dire que je vais galérer au niveau du toit maintenant. Avec ces conneries. Aïe, 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 aïe. J'aurais pas dû faire ça. Comment je vais faire pour le toit? Non, parce que si je pars sur un truc comme ça, c'est impossible. Bon, tant pis. Je casse. Parce que là, ça va pas être du tout possible. Comment je peux faire? Galérer, bah oui, non, mais du coup, je vais faire un pseudo rond comme j'avais fait et je vais juste changer l'allée. Et puis tant pis, est-ce que je l'enlèverai pas maintenant d'ailleurs? L'allée, et je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui passent ici, ils sont fous. Hein. Parce que c'est même pas relié là-bas en plus, ça va vraiment de nulle part. Alors, il y avait un trou qui était, je sais plus où. On va aplanir le tout. Hop là. Bon, allez, hop, c'est bon. Bah oui, c'est ce que je vais finir par faire. Je vais juste faire un rond de deux 4 mètres de côté, quoi. Mais pas en aller, enfin en aller, mais d'abord en. Ah, quoique. Je sais pas s'il faut commencer par l'aller ou par. Vaut-il mieux commencer par l'allée ou par le bâtiment? Mais le bâtiment, ça va être le plus galère à faire. Vaut mieux adapter l'allée au bâtiment. Non? Non, il y avait ces trucs-là, c'était stylé, mais. Le diamètre, je sais pas, j'ai pas calculé, mais. Hop. Donc, déjà, je vais rester sur le quadrillage naturel. Là-bas, là, j'ai galéré parce que le truc des bisons.
parce que c'était plus le quadrillage naturel, et sur un bâtiment il y avait deux quadrillages qui étaient en plus différents. C'était n'importe quoi. Je sais pas qui a fait ça, mais... Donc par exemple un truc comme ça. Bon, on va garder le... On s'en fout. Donc bim, petite technique secrète. Mais c'est pas ça du tout, Cédric. Mais pas du tout, c'est pas comme ça. Ouais, de diamètre, du coup, je sais pas combien. Combien je peux faire? Faut pas que ce soit trop grand. Hein. Faut pas que ce soit trop grand. Mais déjà, là, ça me paraît énorme. Non, allez. On va voir. Petit pangolin deviendra grand. Hop. Non, ça doit aller. Ça doit pas être trop grand. Oui, j'avais oublié, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait le... La petite technique du cercle. Enfin là, ça va pas du tout être un cercle, mais... Espérant que ça va pas être chiant au niveau du toit. J'ai peur. Sinon ça va partir sur un toit de chaume dégueulasse. Au moins on peut déborder quand même. Ah, un peu grand. Putain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pas grave. C'est pas grave, il y aura des poutres à chaque angle. Bah ça va là pour les pangolins en vrai. Je pense qu'il y a de la place. C'est pas si petit. Est-ce que je mets un truc de soigneur? Limite j'aurais dû mettre le... Ouais non, ça serait merdé le tour. Je voulais juste celui-là. J'espère que ça va pas trop bugger le... Non, c'est pas grave. De l'autre côté... Ah non, l'autre côté ça va être l'entrée des... Ouais, ça va être l'entrée, hop. Ça fait une grande entrée là du coup. Il y a quatre trucs en même temps, c'est n'importe quoi. Cette construction n'a aucun sens. Un coup de barre qui arrive, c'est moi qui t'endors, c'est ça?
Il n'y a pas assez de rythme. Bah bravo. Après, c'est pas le jeu le plus ouf en termes de rythme. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, ça vaut pas un petit Mario Kart. Hein. Hop. C'est n'importe quoi de même pas les remplacer, de juste. Hop. Oh, et c'est le veto. Ils vont être bien les petits pangolins ici. Ils vont s'échapper en dessous là. Hop. Non mais oh. Ouais, c'était même pas le bon. Quelle naze. C'est mignon, ça te rappelle nos débuts. Oh, ouais, tiens, je voulais voir les enclos. Pendant que la musique a gueule, c'est un enfer. Elle essaye de prendre toute l'attention. Je ne sais plus parler. Alors, on va faire. On avait dit donc. Oui, c'est ça, c'est sans teint en plus, c'est pile du bon côté, donc c'est nickel. Alors, petit coup de lag là, je crois. Ah non, c'est juste moi qui déconne. Hop. Et re-hop. Évidemment, on va monter tout ça. Ah. Et voilà. Je sens que le soleil, ça va être un enfer encore. On verra rien. Ça marche bien quand même, le truc s'entend. Hein. Hop là. Donc, petite porte ici, je vais la mettre direct. Avant que ça bug à cause de d'un milliard de trucs possibles. À chaque fois, c'est des trucs. Voilà. Petite barrière. Enfin, petit. Bref. Donc, ils passeront ici. Hop. On a un début de quelque chose. Est-ce qu'on laisse les gens genre taper les vitres et tout?
Est-ce que la grosse question serait pas de laisser un petit écart et mettre une mini barrière ou je sais pas quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que... Ah là, ça fait loin quand même. J'ai pas envie que ce soit trop... Un truc comme ça. Ça suit pas de ouf la machin. Ah si, on voit. En fait, quand le soleil est vraiment derrière, on voit bien. Et aussi d'ailleurs. Ça fait un petit filtre solaire, on va pouvoir voir les éclipses. Ouais. Je sais pas, peut-être bien aménagé, on peut... Ça peut se faire, ouais. Bon, faut que je fasse absolument le toit. La petite canopée. Là, ça va être une véritable boucherie. Alors... Est-ce qu'on prendrait pas quand même des feuilles de palme? Les trucs asiatiques, c'est pas mal aussi, mais... En fait, les tuiles, si elles sont pas nickel, ça fait tache. Assis comme ça et après je pars en rond au milieu. Non. Peut-être même avec du verre comme j'avais fait avec les... Ah si, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, non? Donc ça faut que je l'enlève. Reviens. Hop. J'ai perdu mes repères que j'avais. Hop là. Bim. Et c'est dégueulasse. Oh putain, je sais pas du tout comment je vais faire. Non, on peut pas l'aller à 360 degrés, c'est une mauvaise idée puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de place de l'autre côté et les gens s'ils vont trop près du truc derrière là, ils vont dire oh, c'est moche. Non mais là le problème c'est le toit. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Les problèmes arrivent. Je sais pas comment faire. Hein.
Et j'ai pas de raison de galérer. Ah bah pourtant ça galère. Là y a rien qui va si je fais le truc normal. Ou alors faut que je fasse ça. Non mais le problème c'est que ça va forcément dépasser sur les côtés. Que si je fais ça, il y a un problème là. Je veux bien mais on le voit les jointures là. Ou sinon on dit que c'est un truc un peu design. Ouais. Comme tu en remets un par-dessus. Bah non, je remets quoi par-dessus? Je remets rien moi. Tu te méprends hein. Alors de l'intérieur c'est pas mal. Le problème c'est l'extérieur. Ou alors on joue avec des poutres ou j'en sais rien. Mais pourquoi les gens viennent ici? Mais ils sont fous. Ils font n'importe quoi. Il y a un petit peu d'herbe là. Pour fermer le toit, bah après je fais en plus là. Mais le problème c'est les angles là. Il y a un... Non ? Ça choque personne en fait, il y a que moi. Bon. Pas du tout. Y a pas assez ici. Enfin trop plutôt. Ouais, puis ça va pas être beau. Non mais là en plus ça va atterrir. Non mais ça va être horrible. Aucun sens ce toit. Ça n'a aucun sens ce toit. Il y a tout qui dépasse de partout. C'est vraiment une horreur.
Non, bah là. Je sais pas trop. Je sais pas. Allez vite, je suis pas fan. Allez, j'avais fait des trucs trop bien avec. Dans mon grand truc des varans de Komodo là. C'était trop beau. Mélanger les feuilles et les vitres, c'est trop beau, mais là ça va pas. C'est, soit c'est trop petit ou il y a un problème. Je sais pas. Il aurait fallu peut-être que un ou. En rond, ça marche pas trop les vitres. Bah si, ça marchait bien. Non mais là c'est pas le problème, on peut vitre ou pas. Feuille, boum. On va trouver une solution. Sinon je rajoute des machins comme ça moches là. Je sais pas. Absolument pas. Je sais pas. Ni 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 ni. Ça y est, ça balance des trucs. Des petits pics, des trucs méchants. Si je rajoute ça après. Là, je suis parti pour mettre des couches dégueulasses par-dessus, quoi. On en est là, quoi. On en est vraiment là, quoi. Ça va être horrible. Ouais bah Plaza, j'aimerais bien qu'il mette pour mon toit là. Aïe 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 aïe, les problèmes. Je vois pas comment faire là. En fait je pense que le fait que j'ai fait de deux... Enfin que ce soit pas du tout en rond en fait, c'est ça qui pose un problème. Le rond c'est bien si c'est vraiment 2 sur 2 quand c'est des trucs vraiment fait exprès. Sinon il faut vraiment que ce soit que de 1 de large et avec un grand rond comme on avait fait plusieurs fois quoi. Parce que là là c'est moche là. Là, il y a un problème. C'est pas possible, quoi. Non, mais c'est moche. Normalement, genre, je fais des trucs plus clean, quand même. Là, c'est tout ça qui va pas, en fait. Super.
Ce qui est bien, c'est qu'on avance. Ce qui est bien, c'est qu'on avance. Mais du coup, je peux plus faire avec le gros. La grosse vitre, quoi. Je vais faire que des petits, tant pis. Et avec ça. Mais pourquoi? C'est plus du tout la bonne forme. La bonne. Le bon. Oh ouais. Donc. Ça bug beaucoup? Qu'est-ce qui bug? Ta connexion? C'est parce que t'as allumé la télé, ça. Est-ce que je vais tomber pile? Je ne pense pas que parce que le premier il était pas hyper bien placé. Ouais. Tombe même dégueulassement. C'est horrible. Ah ouais, merde. Ouch. Oh, ça m'énerve.
sinon je triche avec des bouts de bois. Ouais. Ça va partir avec des poutres. Et même ça, ça tombe pas juste. Le cache-misère. Alors là, on est sur un niveau... Waouh. Alors... Bon, il y a un début, il y a un truc, il y a un début de truc. Hop là, c'est bon. On a... Ça commence, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, la porte, elle est où? L'encadrement, l'encadrement. Petit encadrement de porte. Il est juste là. En espérant que ça, ça se passe mieux pour la suite.
Ouais, donc celui-là il vire. Mais peut-être pas l'autre. Ici, ce serait bien de... Ouais. Non, c'est bien là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal. Hop. Un petit toit. Allez, on finit par un petit toit. Un petit toit, toi, mon toit. Il n'y a plus de musique. On a fait la playlist. Bah bravo. On va essayer ça. Petite musique d'ambiance. Normalement c'est ce toit là qui est vraiment super beau. Mais le problème c'est que... Ce toit là... Il est tellement... linéaire que c'est bien, enfin bien quoi, et en fait ça passe pas. S'il se chevauche un tout petit peu avec l'autre, ça risque de vite se voir. Voilà, ça fait des trucs comme ça. Bon. Pourquoi pas? Ça va faire des petits dessins, quoi. L'intérieur, ça, c'est pas mal, mais... Allez, c'est bon, ça passe. Ça passe. Faudrait juste un petit peu plus de... De préau... Enfin, de... Que ça descende un peu plus. Comment faire ça? Je peux déjà le mettre sur celui-là. Je sais plus où c'est l'habillage de toi. Et... Ouais, c'est juste celui-là, en fait. C'est juste simplement celui-là. Ah oui, il y en a des très très grandes là en fait. Ça peut être pas mal en fait. Si, sur les autres, ok. Ah non, ça va partir vers l'extérieur, non? C'est ça que ça risque de faire. Ça va être trop grand, non? Aïe aïe aïe, je sais pas. En fait, ça va créer un V ici. Ça va pas le faire.
Bon, allez, je stoppe là pour maintenant, peut-être ce soir après manger. Pour ceux qui sont là. Hop, un petit peu de faim. Bam. Et voilà la fin. Je vous laisse là. À plus tard, très vite.